te bay pour construire Haïti. Après 12 janvier 2010, Haïti toujours Jean Lier. Parler de reconstruire Haïti, faut son bail qui était construit déjà. Mais après 12 janvier, Haïti était Jean Lier. Donc, il y a plus de monde qui doit nation hein? Explication. Effectivement, bien sûr, on te lance appel là, mais m'a honnête avec nous, m'a te faire contact yo. M'a te faire contact yo jodi a, mais demain faut garder avec santé publique puisque premier ministre là li dit li rappeler citoyens yo au-delà des difficultés nous là-dedans mais coronavirus là toujours là dans pile monde qui va rentrer là dans pile monde qui va rentrer là et pays yo te gen corona faut veiller ou pendant pote aide pour nous puis ga venir comme si vin empirer situation nous. OK, ne vle gade et ça yo avec nous. M'a pèse vérifier là puisque m'a prendre là. M'pa bay nouvelle non? M'di m'a pèse vérifier si gon moun ki gen nouvelle là, ou ka confirmer la vraiment puisque m'nan micro, m'tande m'ai ta apprendre. Yo arrêté John Joel Joseph. Hein? M'ai ta va apprendre puisque était localisé John Joel Joseph, il t'a prendre direction un pays. Il était localisé li, il t'a profité des 12 janvier là pour défendre l'autre direction. Mwen apprenne tava, mwen bien dit oui. On précise puisque la n'a bay nouvelle, nous confirmer nouvelle, nous connait les boucan de la parole, disons parole, c'est fini. OK, c'est fini. On va essayer vérifier là, est-ce que tout bon et jiji en bas code. C'est important pour la République pour joindre jiji et badjo tout puisque on connaît moun sa yo. Yo gen compte pour rendre à nation, yo gen explication pour bail sous la mort Jovenel Moïse. OK, yo ba gen explication pour bail sous la mort Jovenel Moïse. Nous va le faire parler avec un vétéran, un journaliste vétéran. Excusez moi même depuis au cap haïtien tout petit m'attendé li. Il rele Yves Clozel Alexis qui font choix qui peut-être on pas pral di son choix suicidaire. Mais peut-être il faut choix peut-être cap bon pour lui-même pour famille et comme professionnel tout qui vit aux États-Unis depuis quelque temps. Yves Clozel Alexis déjà. Nous n'avons aucun doute sur ça, je veux dire. Nous en face, il y a une grosse exigence humanité. Pays nous toutes, haïtiens et haïtiennes, ici ou l'autre bout de l'eau, Haïti. Jodia à genoux. Tremblement de terre qui dévasté yon gros parti dans zone sud pays pouvait yon l'autre fois encore limite nous ak jan nou fragile. Devant qu'aucun chaîne catastrophe ça qui pote aller en pile frais à se nous. Tristesse nous en pile. Moi profiter opportunité ça pour me renouveler sympathie moi. Bay parents victimes yo même gens ak population ni nan département Nip sud ak Gandans mwen pataje douleur moun yo ak amertume tout peuple haïtien devant catastrophe ça. Boukante la parole. Samedi dernier nous avons survolé toute la zone affectée pour mesurer l'ampleur des dégâts et constater l'énormité de la tâche et le lendemain plusieurs membres du gouvernement m'ont accompagné sur le terrain pour voir de nos propres yeux les conséquences de la catastrophe et surtout pour rencontrer les victimes et leur apporter l'assurance que le gouvernement a déjà commencé et va continuer à faire tout ce qui est en son possible pour leur venir en aide. C'est le pays tout entier. Physiquement ou mentalement qui est dévasté. Nos cœurs se déchirent. Certains de nos compatriotes se trouveraient encore sous les décombres. Des équipes de sauveteurs haïtiens et étrangers sont encore à pied d'œuvre. Plusieurs autres compatriotes affrontent les intempéries, ne pouvant nourrir leurs enfants, se créant des abris de fortune, ou dormant carrément à la belle étoile. Les bâtiments et les infrastructures
ont gravement souffert. Des hôtels, des hôpitaux, des églises, des écoles, des péristyles, des résidences, des édifices publics et j'en passe ont subi des dégâts importants ou sont détruits. Moi, je fais population qu'on est, premier secours déjà arrivé. Mais t'as remis dans nos gouvernements, moyen, rappeler peuple là que nous campons beaucoup de yo. C'est responsabilité nous et nous pas fait bac sur ça. Reconstruire la vie des habitants des NIP du sud et de la Grandance après une si terrible catastrophe naturelle reste et demeure l'objectif qui guidera toujours nos actions. Et des efforts de reconstruction n'auront de résultat que s'ils s'inscrivent sur une base de solidarité pour mettre Haïti au centre de nos intérêts premiers. Nous devons mettre tête nous ensemble pour nous agir, pour nous rebâtir pays noir, Haïti. Catastrophe naturelle, yo, c'est un moment particulièrement idéal pour nous faire solidarité. Mettez sous ça, support moral nous important à tout le monde qui fin fait une expérience comme ça. Vivre un tremblement de terre dans la dimension ça. C'est une opportunité unique pour nous prendre un nouveau chemin. Ce n'est plus le moment de laisser transparaître nos divergences. Engageons-nous dans des discussions constructives pour qu'ensemble, nous voulions au secours de nos prochains. Haïti d'abord. En pile équipe qui est là-dedans, CNE, FAES, OFATMA, PNH, FADH, TPTC, déjà à travail dû et déjà sous terrain. Vous cantez la parole. Et j'en situation grave là, nous engageons tout dans action immédiate, tout de suite, et puis ciblé. Moi déjà passé instruction pour assurer sécurité dans la sortie sud Port-au-Prince depuis Matissan, arrivé juste dans la zone qui touchait. Pour une meilleure coordination de l'aide, nous avons décidé de centraliser tous les dons qui nous sont offerts à la direction de la protection civile. Un groupe de travail ad hoc, incluant la société civile et ce secteur privé, va être constitué dès aujourd'hui. Vous gardez la parole. Pour administrer avec la plus grande transparence et avec une extrême rigueur tous les dons en espèces et en nature, matériel et équipement mis à la disposition des victimes. À tous ceux et à toutes celles qui souhaitent aider, nous disons qu'un premier document présentant une estimation des besoins prioritaires est disponible et peut être consulté au CUN pour savoir ce dont nous avons le plus besoin. Il ne s'agit pas pour nous de tout concentrer entre nous-mêmes, mais uniquement de coordonner les interventions des uns et des autres pour une meilleure distribution de l'aide. Ça qui est urgent pour nous, kounyer, c'est bay victimes qui ont côté provisoire pour dormir, de l'eau, manger avec soin médical. C'est déjà avec toute série de problèmes ça yo, nous devons adresser nous immédiatement. En même temps, équipe gouvernement qui souterrain t'es déjà commencé à déblayer route yo pour faciliter circulation avec transport aide là avec personnel yo. Tous nos engagements doivent être au cœur de nos relations sociales, au cœur du vivre ensemble. On pourrait donc se demander si la notion de personne humaine n'est pas au cœur de tout agir solidaire. Vous gardez la parole. Car il n'y a pas de solidarité si ce n'est de rendre l'autre et soi-même plus humain. S'il est vrai que les dégâts matériels et les pertes en vie humaine sont considérables, et même s'il est aussi vrai que les conséquences du séisme sur la société haïtienne sont multiples
et diverses, il faut aussi souligner leur courage. Nos compatriotes du Grand Sud ont fait preuve de dignité et de résilience. En se donnant comme objectif la reconstruction rapide de leur ville et de leur maison, si je me réfère aux déclarations que plusieurs m'ont faites quand j'ai été sur le terrain. Ils ont manifesté le désir de reprendre en main, sans condition, leur destinée et leur avenir, tout en étant avec la même rigueur et la même détermination pour leur survie. Moi, nous lançons un appel solennel, ben, seul à Frémio, dans la classe politique, là, dans la société civile, dans le secteur universitaire, dans le secteur privé, dans la diaspora, pour nous former une chaîne de solidarité, pour ensemble nous bailler une réponse appropriée à besoin urgent compatriotes nous qui sont en détresse dans la zone sud, ni à grand dans ce pays. Je ne saurais terminer sans adresser les remerciements de toute la nation aux pays amis qui ont exprimé leur sympathie et qui ont déjà commencé à nous envoyer leur aide d'urgence. Nos remerciements vont aussi aux membres du gouvernement qui sont mobilisés depuis le début. Un grand coup de chapeau à mes collaborateurs de la Direction de la Protection Civile, du COUN, des coudes et des COUN, qui se donnent sans compter. Je ne saurais oublier nos policiers et nos soldats, les conducteurs de camions et d'engins lourds, les nombreux bénévoles et les autorités locales qui sont les premiers à avoir répondu à l'urgence. Les jours qui sont devant nous seront difficiles et souvent pénibles. J'invite tous les compatriotes à se tenir informés et à respecter les consignes de la DPC et de l'unité hydrométéorologique. Je tiens à rappeler que la COVID-19 est toujours présente. Vous gardez la parole. Nous avons perdu trop de citoyens du fait des catastrophes naturelles. Nous devons éviter d'en perdre d'autres à cause de la pandémie. Mettons-nous tous ensemble et trouvons notre unité de peuple dans un même élan de fraternité pour creuser la voie de l'avenir et de l'espoir. Merci.